Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire le corrigé des exercices de 3e année collège, la page 133, exprimer la comparaison. Alors on va essayer de faire la comparaison ou bien on va faire la correction des exercices ensemble. Alors essayez de prendre ça dans le cahier de Madrasat Abtal. Bien sûr, vous avez déjà un cahier, alors essayez de prendre note. Alors premier exercice, exprimer la comparaison dans les phrases suivantes en prenant en compte les degrés donnés. L'infériorité, supériorité et égalité. La nouvelle de Sarah est plus longue que celle de Younes. La chute de Sana est plus originale que celle de Jawad. La proposition de Khalid est moins intéressante que la tienne. Deuxième exercice, nous avons complété un superlatif par un superlatif de supériorité ou bien infériorité. On a déjà vu tout ça. Alors, de l'infériorité, le pire, de la supériorité, le meilleur. Alors, votre synopsis est le meilleur. Ce film policier est le pire. Alors, cette époque est la meilleure. Cette nouvelle policière est la pire. Voilà, alors essayez de corriger parce qu'on a mis le normalement ça comme la meilleure et la pire, tout simplement. Alors essayez de prendre note et essayez aussi de faire d'autres phrases. L'idée de la phrase, je te mettrai bien la leçon. Maintenant, on va essayer de faire l'exercice numéro 2. Amal a été chargé lors d'un exposé de présenter à ses camarades la différence entre le roman et la nouvelle. Aide-la à expliquer ce tableau en utilisant les comparaisons. On va essayer seulement de décrire un paragraphe. Les Rinstamilofi, bien sûr, les mots que vous avez dans la première colonne et dans la deuxième colonne. Nous avons le roman et la nouvelle. Le roman, un récit long, beaucoup de personnages, l'intrigue est complexe, plus de péripéties. La nouvelle, un récit court, un récit de Waqser. Peu de personnages, et le contraire dit le roman, l'intrigue est simple, moins de péripéties. Voilà. Alors, le tableau, il y a un peu de temps, 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 il paragraphe dans lequel on va essayer d'utiliser la comparaison entre le roman et la nouvelle. Alors, la nouvelle est moins longue que le roman qui contient plus de personnages et de péripéties que la nouvelle. Mais je peux vous dire que l'intrigue dans la nouvelle prend une seule ligne. Elle est moins courte que celle du roman. Pour moi, la nouvelle est la meilleure. Voilà. Alors, j'ai essayé quand même de souligner les mots qu'on a utilisés pour exprimer la comparaison. Le passage, il est très intéressant. Il y a des choses la nouvelle et aussi le roman. La nouvelle dit que le roman est contre. Ça veut dire que toutes les choses qui sont dans le roman sont dans le roman. La nouvelle, c'est que la nouvelle est contre. Il y a des choses qui sont dans le roman. Il y a des choses qui sont واحد تيكون فيه لي بيرسوناج معروفين لو ليو ما تيكونوش بزاف لي ليو لو طون داكشي قليل طبعا الوغ تيكون خط واحد غادي ان سوليني ما تيكونش فيه بزاف الخطوط مثلا هاد المجموعه عندها قصه وهاد المجموعه الاخرى عندها قصه نو كاع لي بيرسوناج كلهم تيدور على حول قصه واحده. Alors, on va passer maintenant à la page 131, la proposition relative. Premier exercice, souligne dans les phrases suivantes la proposition relative et entoure le pronom. Cet homme qui était seul dans la nuit passait comme un loup entre les blocs. Cet homme qui est, alors, qui c'est le pronom relatif, cet homme qui était seul dans la nuit. Ça, c'est la phrase relative, proposition relative. Alors, deuxième phrase, elle avait un visage dont le sourire était orgueilleux. Alors, dont le sourire était orgueilleux, c'est la proposition relative et naïf. Dont, c'est le pronom relatif. Vous vous rappelez de cette femme dont la mort était énigmatique, dont c'est le pronom relatif. Cette femme dont la mort était énigmatique, c'est la proposition relative. Le détective ne découvrit rien à propos de l'arme dont la provenance demeura mystérieuse. Donc, c'est le pronom relatif. L'arme dont la provenance demeura mystérieuse, c'est la proposition relative. Voilà, le deuxième exercice, nous avons relié les deux propositions par le pronom relatif simple qui convient. La victime qui était horriblement assassinée était absorbée par le brouillard. Lors de l'interrogatoire que menait M. Colin,
avoua la présence d'un complice. Le commissaire Maigret, qui mène l'enquête, finira par trouver la solution à l'énigme. Il ne faut pas oublier que qui remplace le sujet et que remplace, alors lors de l'interrogatoire que menait l'inspecteur, que remplace le sujet et qui remplace le complément d'objet. Alors qui complément d'objet, que sujet. Il faut toujours se rappeler de cette remarque, elle est très importante. On passe maintenant à... Au tableau, on va essayer de voir l'association et l'énoncé. Nous nous confrontons à une affaire qui est très compliquée. La situation, c'est quoi? C'est un inspecteur de police qui parle à son adjoint. Il s'adresse à son adjoint. Deuxième énoncé, c'est l'homme qui a une balafre sur la joue droite qui a attaqué la vieille dame. C'est un témoin à un agent de police. Le meurtrier était très grand. Au commissaire, un témoin fait le portrait d'un suspect. La forêt où ils sont allés est pleine de dangereux reptiles. Le père d'un élève à son voisin. Voilà, alors on a essayé quand même de corriger la plupart des exercices. Donc chez le prof, bien sûr, il faut le faire tout seul parce que normalement, en classe, on va faire toute la correction. Et aussi, tous les autres élèves, caractériser les personnages type de ta nouvelle en utilisant les propositions relatives. Alors, on va essayer de faire ça oralement d'abord. Le détective que vous avez rencontré est très intelligent, par exemple. La victime que vous avez rencontré hier ou bien que vous avez vu hier et a été poignardé. Le criminel dont je vous ai parlé est en prison. Le témoin que mon père a présenté au tribunal est très intelligent.